Fred, nous sommes actuellement devant la prison de Catnap. Et oui, en effet, les Smiling Critters m'ont capturé et ils ont aussi capturé Dog Day, comme vous le voyez. Et on va devoir tout faire pour s'échapper de l'énorme Catnap. Parce que oui, Barry de Barry Prison Run est devenu Catnap. Bon, les potes, dans tous les cas, nous, on ne va pas se laisser faire. On va évidemment s'échapper de cette prison. Hein, mon petit Catnap, hein, tu fais le malin avec ta matraque. T'inquiète pas, dans quelques instants, on sera libre. Hein, Dog Day, n'est-ce pas? On sera libre dans oui, quelques instants. On va pouvoir aller dehors après. Exactement, Dog Day, on va pouvoir aller dehors. Mais comment ça se fait que Catnap t'est capturé alors que toi, t'es un Smiling Critters exactement comme lui? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise avec Catnap? Hein? Oh, je sais pas, j'étais en train de dormir et je me suis réveillé ici, je comprends plus rien. Quoi? Attends, mais t'es en train de me dire, Dog Day, que Catnap t'a capturé et hop, il t'a mis en prison normale, quoi? Oui. Oh non, vraiment, c'est un abuseur, ce Catnap. Bon, on va tout faire pour s'échapper de la prison. Et évidemment, pour ça, j'ai besoin du soutien de vous tous et notamment de toi. Donc, clique vite sur le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour me soutenir et qu'on s'évade de la prison. Allez, c'est parti, Dog Day. On s'évade de cette super prison. Allez, hop, on ouvre ce petit barreau-là. Let's go, Dog Day. On ouvre ce barreau. Oula, ok, celui-là était un peu plus compliqué. Et ça y est, c'est parti. On va pouvoir escalader et passer sur plein d'étapes différentes, Dog Day. Et d'ailleurs, hey, Dog Day, franchement, j'adore comment t'es habillé aujourd'hui. Hey, t'es trop stylé. T'as vraiment une... Bah, t'as des gros... un gros pantalon, t'as un gros t-shirt et ta tête, t'es tout souriant, t'es trop mignon. Allez, je suis trop mignon. Eh, franchement, les potes, je sais pas comment vous trouvez Dog Day, mais moi, je le trouve trop mignon. Ok, bon, c'est parti. On doit maintenant escalader ces petits trucs-là. Let's go, c'est parfait. Et on va passer par cette petite trappe. Là, fais gaffe, on va tomber. On va tomber, tu crois, Dog Day? Oh! Ok, ok, bon, ça va. On a réussi à survivre quand même. Bon, qu'est-ce qu'il y a? What? Attends. Regarde là-bas. Il y a un gros truc là. Mais tu l'as reconnu? Je crois que... Mais je crois que c'est ton ami. Il arrive vers nous. C'est Catnap. Non. Vas-y, viens, vite. Ok, vite. Il faut qu'on clique sur ce petit bouton là. Et il faut vite qu'on s'évade. Allez, vite, Dog Day. Attends, mais t'as pas cliqué sur le bouton, Dog Day. Non. J'y vais. Et en plus, regardez là. On a tous les personnages de Poppy Playtime. On a reconnu Dog Day. Et on a reconnu Catnap. Bah alors, gros Catnap. T'as pas... Oh non, je suis trop bête. Je suis tombé. Ah. Bon, regardez là. Il y a le gros Dog Day. Et il y a le gros Catnap. Et d'ailleurs, Catnap, il a pété. Ah ouais, t'as vu, il fait que de péter. C'est un gros crado, Catnap. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai une question à te poser, Dog Day. À ton avis, tu vois Catnap, on peut dire qu'il mange bien, le gardien de la prison Catnap. Ouais, hein. Il mange bien. Ouais, à ton avis, Dog Day, combien de kilos fait Catnap? Dis-le-moi. 120. 120 kilos? Oh, mais mec, moi je dirais encore plus. Il est vraiment super rond. Je dirais au moins 200 kilos. Et toi, combien de kilos tu penses qu'il fait? Dis-le-moi en commentaire. Et nous, on s'évade de ce conduit d'aération. What? Attends. On est où là? Ah! Non, on est aux toilettes! Ah, mais regardez ça, les toilettes qui puent! Oh! Ah là, c'est sûr, c'est toi qui es passé par là, Dog Day, non? Ah, ça pue! Et là-bas. Ok, bon, les toilettes sont propres. Et par ici, qu'est-ce qu'il y a? What? J'ai ouvert la dernière, t'as vu? Attends, mais mec, il y a un petit chemin vers là-bas. Regardez, en plus, on peut. On peut directement sauter par là! Ok! Mais c'était le passage secret! D'ailleurs, mec, regarde ce que j'ai eu, Dog Day. Je sais pas si toi aussi tu l'as. Mais j'ai un truc qui me permet de courir plus vite, on dirait. Je sais pas comment je l'ai eu. Enfin, on me l'a donné gratuitement, en tout cas l'équipement. Bon, tant mieux, j'ai envie de te dire. Maintenant, on est parti. On va directement sauter dans les prochaines étapes. Ok. Y a de la lave. Ouais, franchement, Dog Day, vu comment la lave est extrêmement chaude, je te déconseille vivement de la toucher. Parce que là, tu risques de voir un sacré choc. Hein. Allez, en tout cas, on grimpe sur ce pont suspendu. C'est parfait pour l'instant, Dog Day. On est à la moitié là. Et ouais, je pense bien qu'on est au moins à la moitié du parcours. Ok. Là, les potes, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de spécial. Oh, what? Attends, mais mec, Dog Day, t'as vu l'énorme boule qui est passée? Oula! Ok, bon,
Il faut passer, elle arrive, toujours au bon moment pour éviter de se prendre non, la boule. C'est parti, c'est parti. Bon, moi après j'ai mon truc de vitesse, donc franchement c'est un petit peu de la triche. Ok, c'est parti. Wow. Ok, moi je vois la boule. Ah, ça y est, elle vient de partir. On peut y aller. On y va. Ok, on peut y aller. Attention, attention. Hop, viens ici. Ok, on va attendre la prochaine boule. Oh, what? Elle passe. Mais non, mais Dog Day. Mais t'es fou. C'est pas possible que tu puisses faire deux trucs en même temps. Oh là là là, les potes, Dog Day a été tellement gourmand qu'il a fini par même mourir. Bon, on va attendre tranquillement que Dog Day arrive. Allez, Dog Day, allez, Dog Day, tu peux le faire. Attention, il y a la boule. Ça y est. Allez, c'est parti. Bon, je suis là. On passe dès maintenant à la prochaine étape. Et regarde là-bas, Dog Day, tu l'as pas reconnu, mais on a encore un gardien de la prison. Viens, il faut aller par là. Cliquez sur ce petit bouton et ensuite il faut qu'on se réchappe. Il faut qu'on se réchappe, Dog Day. Allez, vas-y. Bon, après, normalement, tu peux quand même finir par t'échapper. Enfin, je veux dire, une fois que t'as cliqué sur le bouton, après c'est bon. Bon, en tout cas, le gardien de la prison, il essaye de me suivre, mais évidemment, il est trop gros pour pouvoir faire des sauts et donc il n'arrivera pas à venir. Allez, Dog Day, on va pouvoir s'échapper de la prison des Smiling Critters. Mais pour l'instant, en vrai, Dog Day, on a vu que Catnap et toi dans les Smiling Critters. Mais on n'a pas vu tous les autres parce que je te rappelle quand même qu'il y en a plein d'autres de Smiling Critters. C'est un peu étonnant. Ouais, il y en a plus, mais je ne les ai pas encore vus. Est-ce que tu penses que tes amis. Enfin, vu que tes autres amis, les Smiling Critters, est-ce que tu penses peut-être que. Je sais pas moi, ils se sont évadés ou ils sont où les autres, tes autres amis, tu penses? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'espère qu'on pourra découvrir où sont les prochains. Ouais, c'est possible qu'ils soient aussi en prison. Bon, alors, on a maintenant deux côtés. D'un côté, on a la formation à la sécurité. De l'autre, la cafétéria. Oula, je crois que la cafétéria, elle est fermée. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est en train de péter encore au niveau de la cafétéria. What? T'as pris quoi? Oh, attends. J'ai eu le même truc que toi. C'est dans la machine à boisson, là. Attends, fais voir. Ouais. Je vais en prendre une. Mais attends, mais si je prends la machine à boisson. Oh non, mince, j'ai désactivé la machine à boisson en prenant le truc. Ok, attendez, il faudrait que je reprenne une machine. Ah non, j'ai enlevé le bug. Oh non, bon, bah je sais pas si je vais pouvoir faire le parcours juste avec ça. On va quand même essayer. Normalement, j'ai la boisson qui me fait aller encore plus vite. Donc avec ça, je sais pas si je vais pouvoir le faire. On va quand même essayer. Ce serait quand même assez drôle que j'arrive à faire le parcours juste avec ce petit truc de vitesse et pas la boisson qui me permet vraiment d'aller super vite. Ok, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller en effet. Tu fais de la fumée, what? What? Ah ouais, je fais de la fumée. Oh ouais, ouais, mais c'est parce que je cours tellement vite que je fais de la fumée. Et non, regardez, vous l'avez pu le voir, on ne peut pas faire le parcours juste avec la, enfin juste avec ce petit truc là parce que on n'a pas assez de vitesse. Donc on va recliquer sur la boisson. Et oh, tu me donnes une boisson ou quoi là? Eh, mais ils veulent pas me donner une boisson. Allez, on va réessayer de se prendre cette superbe canette. Let's go. C'est parti. On va maintenant pouvoir faire l'énorme parcours. Oh, mais regardez un peu à quelle vitesse on court. Eh, donc Dé, toi aussi tu cours super vite là ou c'est que moi? Là, je cours super vite. Ouais, mais les potes, la vitesse qu'on est en... Flash. Mais regarde, oui, les potes, flash. On est devenus Usain Bolt, tellement qu'on court vite, les amis. Ok, ça y est, on vient de passer cette nouvelle étape et maintenant, on va passer par les échelles. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Salle de stockage, centre de téléphone des visiteurs et... Trouver une échelle. Ah, attends, Dog Day, je crois qu'on va devoir trouver une échelle pour monter là-haut, là, comme tu peux le voir. Bon, bah écoutez, les amis, très bien. Alors, où est-ce qu'on peut avoir une échelle? Peut-être dans la salle de stockage. Ici. Ouais, en effet, bien vu, Dog Day. Il y a bel et bien une échelle à cet endroit-là, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je me balade avec ma petite échelle, comme vous pouvez le voir. Et on va aller juste en bas de la trappe. Voilà. Oh, ah bah moi, j'ai réussi du premier coup, Dog Day, hein. J'ai réussi à placer l'échelle du premier coup, elle est parfaite. Et ça y est, je suis maintenant dans un nouvel endroit d'aération. Attention, est-ce que Dog Day va réussir? Oula, je crois qu'il a un petit peu du mal. Ah, ça y est, Dog Day a finalement réussi à s'accrocher à l'échelle. Et maintenant, ok, alors attention là, wow, il y a du vent qui souffle. Oula, là, ça souffle de ouf par là. Oh, Dog Day,
Ça y est, on a réussi à passer cette épreuve. Bon, ça va, elle était pas trop compliquée, hein. Jusque maintenant, j'ai les cheveux un peu décoiffés avec tout le vent, là. Ok. Maintenant, ouais, on a un beau parcours à réaliser, comme tu peux le voir. Et waouh. Eh, hey, mais est-ce qu'on va réussir à faire le parcours, Dogné, tu penses? Bien sûr. Ok, on escalade. Oh, non. Oh là, j'ai non, failli tomber. Tombé. Non, ça va, je suis pas tombé très bas, mais j'ai failli me faire mal quand même, hein. J'aurais pu me casser la jambe, là. Ok, et maintenant, il va falloir qu'on ferme les valves. Ok. Bon, déjà, on peut le voir, il y en a en bas. Ok, donc il faut qu'on descende. Hop, on clique ici. On va aller fermer la deuxième valve qui est juste là-bas, comme vous pouvez le voir. C'est parti, on s'y rend tout de suite. Ok, et moi, il m'en reste impeccable. Et après, on remonte là-haut et on va aller activer, enfin désactiver plutôt, la dernière valve afin de pouvoir faire le parcours. Ok, c'est bon, et voilà. Ok, moi j'arrive. Vas-y Dogné, ça marche. En tout cas, moi de mon côté, ça y est, mes trois valves sont désactivées et je peux maintenant partir pour la prochaine étape, en espérant que les valves se mettent pas à se réactiver ou quoi, parce que là ce serait un peu problématique quand même. Allez, hop, on peut passer maintenant à la prochaine étape. Allez, on passe par ici. On saute, l'attention de Dogné, un gros saut. Et c'est bon, et un gros saut là-dedans. Non, ah. Tu t'es pris la tête dans le mur. Okay. Oh là 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 là, quel noob ce Dogné. Non, ça va, je rigole. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a maintenant comme étape? Oh, attention. Cette fois-ci, c'est du vent, mais il nous pousse de l'autre sens. Ok, attention, attention. Ok, bon, ça va. Après, finalement, ça a pas l'air d'être si compliqué que ça. Il y a juste à sauter au bon endroit. Ok, on saute. Et on saute, Dogné. Eh, okay. Les potes, pour l'instant, sur l'échelle, j'ai l'impression quand même que c'est un parcours qui est assez simple dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a là, Dogné? Qu'est-ce qu'il y a? What? Wow, mais oui! Regardez, et on a juste à aller ici. Ok, moi j'ai réussi à y aller du premier coup. Impeccable. Et maintenant, nouveau spot à découvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, what? Mais regardez, il y a le cuistot. Oh non, non, c'est Gary le chef. Vite, Dogné, suis-moi. Il faut qu'on aille en cuisine et qu'on récupère l'arme pour tuer ce cuistot infernal. On va prendre directement le nourriture Zuka. C'est parti. Et maintenant, on tire sur notre chef cuistot. Aïe, mais il me tire dessus aussi. Allez, on vise bien sa tête, les potes, pour vraiment mettre fin à ses jours. Ok, c'est bon. Ok. Oh, c'est bon. J'ai réussi du coup à tuer le monsieur, le gros cuistot. Dogné, t'en es à où, toi? Tu veux un petit peu d'aide? À la moitié. Allez, vas-y, tu peux le faire, Dogné. Regardez, je suis en train de tirer sur Dogné, là. Ouais. Je lui envoie des grosses pommes dans le visage. Bon, en à tout moi cas, oh, what, on peut même envoyer des burgers et tout. Bon, t'as réussi à le tuer, du coup? Ouais, c'est bon. Parfait. Oh, sélectionner le bon bouton. Un jeu d'épreuve. Ok, je vais tester celui de droite. Non. Bon, j'ai celui de gauche. Non, c'est celui du milieu. C'était celui du milieu. Let's go. Ok, on s'est bien fait avoir, hein. On l'a trouvé en dernier, le bouton. Bon, au final, c'était juste celui du milieu. Maintenant, ouais, ok, attention, regarde en haut. Il y a, comme tu peux le voir, des faisceaux laser. Et il faut à tout prix les éviter. Attention, Dogné. Évite bien tous les faisceaux laser, c'est super important. Okay. J'entends pas, il y a du vent. Ok, mais oui, en même temps, il y a tellement de vent qu'on n'entend plus rien à ce qui se passe. Ok, ça y est, oui. J'ai réussi. Ouf, ok, bon, je suis un petit peu rassuré. En plus, Dogné est toujours en vie et avec moi, et rien que pour ça, je suis super content. Ok, maintenant, il va falloir prendre une planche en métal pour s'échapper de cet endroit. Ok, bon, il y a une petite planche en métal ici. C'est parti, Dogné. Hop, on place la planche en métal. Ensuite, on la re-récupère, on la replace. On la re-récupère et on la replace. Parfait. What? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, non! Mais c'est la fin du parcours! Il faut absolument qu'on tire vite sur Barry! Il faut lui tirer sur ses bras! Vas-y, Dogné! Vise bien les bras de Barry, c'est super important! Vas-y, tire sur ses bras! Ok! Moi, personnellement, j'ai éliminé un premier bras. Toi aussi, Dogné? Attention! Bien. Il se met aussi à tirer! Ok, il faut vraiment qu'on évite de prendre des balles de la part de Barry, le vilain prisonnier. Attendez, mais regardez, il commence à y avoir de la fumée absolument partout sur lui. Ah non, attention, il me tire dessus, bon, voilà.
Je viens d'éliminer Barry de la prison avec Catnap et les Smiling Critters. Et je pense que maintenant, Dog Day, on va pouvoir le dire ensemble. On est enfin libre. On va pouvoir sortir de la prison et aller voir tes autres amis, les Smiling Critters. Mais on pourra quand même préciser que Catnap, c'était vraiment un vilain chat quand même. Hein. Il était vraiment méchant, ce Catnap. Hein. Vraiment, je l'ai pas trop aimé. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Oh, ouais. Regarde. On peut même prendre le petit équipement là et courir vite. Vas-y, prends-le. Ok, allez. On va directement prendre l'hélicoptère pour s'évader de la prison. J'ai trop hâte, Dog Day. Oh là là, je suis trop content qu'on ait réussi le parcours ensemble. C'était vraiment une mission qui était, on peut le dire. Elle était incroyable quand même, hein, franchement. Incroyable. On a passé un très bon moment et j'espère que toi aussi tu as passé un bon moment. Ça y est, nous avons réussi le parcours. Non, je suis tombé. Et voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas dès maintenant à cliquer sur les deux prochaines vidéos qui s'affichent à ton écran. Il y en a une ici et une à droite, clique tout de suite dessus. Et je te souhaite un bon visionnage. Allez, ciao.